On disait que, oui, Belle et Bonne, c'est une super plateforme. Ça, je pense qu'il n'y a personne de la communauté qui va nier cette plateforme-là parce que c'est un des seuls endroits où est-ce qu'on évolue, on réussit à performer tout ça. Mais la question que j'ai pour toi, par exemple, face à ça, c'est que on parle beaucoup de ce que tu as fait pour la communauté. Mais il ne faut pas oublier, moi personnellement, il ne faut pas oublier que la communauté a fait pour toi pour la simple bonne raison que justement, tous les rôles qu'on t'a offerts sont des rôles de noir. Right? Ce qui veut dire que donc, ça marche ensemble. Ça marche de pair, comme on dit. Tu fais ta part en faisant le bel et bon. Et oui, j'apprends, mais moi, je suis un peu dans le milieu. Fait, c'est pas pareil. Les average Joe sont pas au courant de ça. Mais je sais qu'on te met de la pression pour ton émission, admettons. C'est vrai ou c'est pas vrai? On met de la pression. Que tu mets beaucoup de l'avant, cette communauté. Ah non, pas tout, c'est rien, moi. Moi, c'est quand c'est bon, c'est bon. OK. J'ai des Juifs polonais. Le problème, c'est que, mettons dans les grosses stations, TVA, Radio-Canada, tout ça, les communautés culturelles, ça les intéresse pas. Mm-hmm. C'est les chanteurs connus, comme ouais. Jean Cormier, tout ça. Ça ne les intéresse pas. Le mandat de Télé-Québec, c'est un mandat très précis, c'est de montrer les communautés culturelles. Moi, ça fait mon affaire, parce que franchement, de la musique non métissée, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, j'adore Martine Sinclair, mais qu'elle vienne faire juste son hit, puis qu'elle chante pas avec tel groupe de rap, ça ne m'intéresse pas. Puis là, il n'y a personne qui travaille ensemble. C'est mais tu sais, c'est comme quand Mosaïnes sont venus, ils ont chanté des tunes des autres, de Betty Bonifaci, et moi, c'est ça, c'est même pas une question de couleur, puis c'est le genre de musique que j'ai fait depuis Beau et Chou, Belle et Bonne. Et c'est pas quelque chose, je veux pas de mérite pour ça. Ça me force pas parce que c'est ça que j'aime. Mm-hmm. J'aime autant chanteur polonais. Paul Kunigis est venu à l'émission. Je suis arrivé, j'étais fatigué. Puis là, je vois un chanteur polonais, je fais « Calice! » Tabarnak, c'est pas vrai, tu sais. Il connaît pas ce gars-là. Je dirais que c'est mon plus grand coup de cœur de 13 ans. Mm-hmm. Le lendemain, il a vendu 15 000 disques. Nice. Et je suis vraiment devenu un fan. Mais c'est pas personne qui me force à faire ça. C'est juste que ça fait partie de ce que je fais dans la vie. Okay. Alors, tu sais, il ne faudrait pas penser que... tu sais, c'est drôle parce qu'on a eu Mosaïen qui, eux aussi, essaient de redonner la lettre de noblesse au mot nègre. Et c'est arrivé, tout ça, vu qu'on arrive juste avant, tout ça après, oui, bien sûr. Ce qui s'est passé. J'ai parlé avec un poste. Ah ouais, vas-y. On n'a pas en tout pensé à faire ça. Mm-hmm. Mais c'est ça qui est arrivé. Puis d'ailleurs, là, je veux travailler avec eux autres sur des choses. On serait très intéressé de travailler ensemble. J'adore le band. J'adore beaucoup la chanteuse. Mais on veut faire des affaires ensemble. Mm-hmm. J'ai dit pas des affaires provocantes. Mm-hmm. Je veux juste faire comme... tu sais, comme Rodney King disait, tu sais, « Why don't we just get along? » Moi, c'est plus ça, ma philosophie. Oui, et ça c'est louable, mais pour faire ça, il faut qu'on parle. Il faut qu'on communique. Ben oui. Donc, le fait que tu viens ici, déjà, c'est un début de communication avec la communauté. Puis, comme je te dis, le Gala Soba était, à mon avis, un des premiers gros pas que tu avais fait. Mais moi, j'ai aucun problème à répondre. C'est juste que je connais rien dans l'Internet. Puis, à un moment donné, non, sérieux. Puis, à un moment donné, j'écoute la télévision, puis j'ai dit, là, personne ne s'écoute. C'est un dialogue de sourds. C'est clair. Tu sais, tu vas avoir quelqu'un, une fille, Rebecca McConnell, que j'adore. Mm-hmm. Puis de l'autre bord, Louis. Puis toi et deux ont leur idée. Puis ça... Il n'y a rien qui arrive. Tu sais, c'est comme un moment donné... Puis il y a un gros manque de connaissance de culture. Mm-hmm. Moi, je te dirais qu'il y a bien des Québécois qui ne comprennent pas. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est plate, parce que j'ai toujours dit qu'à chaque fois qu'un débat est sourd, ça va finir qu'il y a des Québécois qui vont dire « Bon, c'est encore les Noirs qui se plaignent. » Les Noirs vont dire « C'est encore les hostiles Québécois. » Puis surtout dans les journaux anglophones. Moi, je me suis fait clencher parce que je défendais Yvon Deschamps. Tu sais, je dis à un moment donné, tu fais « Et là, achetez un disque d'Yvon Deschamps, écoutez-le, comprenez, tu sais. » Parce que quand tu dis « Nigger Black », faut pas que tu grimpes au plafond, va voir, gratte dans le monologue, tu sais. Oui, je comprends. Ça, je comprends. Sauf que c'est dur de dire ça aux gens quand je te répète que, que le mot est lourd de sens. Je veux dire, tu sais, une claque, c'est une claque.
Si tu n'avais pas l'intention de me foutre une claque, ça m'a quand même fait mal. Fait que voilà, tu t'excuses. Je suis désolé, tu m'as foutu une claque. Mais si tu écoutes le monologue, si tu écoutes vraiment le monologue, il dit moi, quand j'étais petit, on avait un noir, puis on l'appelait Nigger Black. Puis un moment donné, on s'est mis à jouer avec lui, puis on s'est rendu compte qu'il était cool, puis on ne savait pas quoi l'appeler. Puis la semaine d'après, ben, on a arrêté de l'appeler Nigger Black. On dit maudit roux. Puis le monologue finit. C'est vraiment un monologue positif, et c'est vraiment un des monologues les plus antiracistes. Mm. Mais avant de t'arrêter aux mots, écoute le monologue. Après ça, tu vas comprendre. Ouais, un peu comme Denis Ferrière, puis comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Ben, tu vois juste le poster et le nom du livre, t'es comme, what the hell? Oui, mais tu sais, je trouve que l'exemple de Danny est très bon. Mm-hmm. Parce que quand Danny écrit ce merveilleux nègre d'ébène, je trouve ça d'une grande beauté. Mm-hmm. Quand Michael Jean, à l'époque, à Radio-Canada, disait « Ce soir, dans la culture nègre », tu comprends-tu? Mm-hmm. C'était extrêmement positif. Mm-hmm. Je comprends qu'il y a des gens que ce mot-là ne peuvent plus l'entendre, mais en même temps, on ne peut jamais dire que ce mot-là est défendu parce que ça dépend de la bouche de qui il sort, et il peut, d'après moi, même être poétique. D'après moi, s'il est bien utilisé, il peut être poétique. Ça ne veut pas dire « nigger », ça veut dire « negro ». Et Beyoncé et beaucoup de Noirs aux États-Unis reprennent le mot « negro ». Moi, j'aime pas le mot « noir » parce que je ne suis pas noir. Tu sais, noir, c'est ça, noir. Je suis d'accord. Moi, j'avais l'air de ça, le monde aurait peur. je trouve que nègre, c'est une belle race. On joue mieux de la base que tout le monde, on joue mieux du Mais il ne faut pas dire « race » déjà, ben, je sais pas quoi, humaine, c'est je comprends, J'ai quelqu'un, c'est une gang. J'aime ça dire ça. Faut pas dire race, okay, c'est la race humaine. Mais c'est oui, ça. Allons-y, ben, peu importe. Mais moi, ce n'est que ça. Et écoute, si, avec le temps, j'apprends que ça blesse trop de monde, je vais dire négroïde, ou je vais dire, je vais revenir à noir, mais je trouve que noir, c'est comme... Comme disait Anthony Cavana, tu sais, il disait, quand t'arrives, puis il disait, bon, ben, prenez votre crayon couleur pour. Lui, il était fucké complètement. Il prenait le crayon noir, mais c'était un rêve, ça allait être une sorcière, tu sais. C'est vrai, vrai. C'est vrai que c'est compliqué. Puis encore mieux, je vais même aller un petit peu plus loin dans cette analogie-là. Quand tu parles en créole, nègre est le seul mot pour homme. Il n'y a pas d'autre mot dans la langue créole pour dire homme. C'est donc, nègre. C'est-tu un mot qui est compliqué. Péjoratif ou pas? C'est homme. C'est homme. C'est homme, point barre. Fait que si tu parles créole, il faut que tu dises le mot nègre. T'es obligé. C'est pour ça que tu peux pas le bannir du tout. Surtout ici, surtout avec nous, les Haïtiens. Ouais. On peut pas le bannir parce que c'est juste une petite affaire comme ça, un petit aparté. J'ai vu sur le net justement un gars qui disait « Oh, la fille, la blanche, a dit « Oh, mon nègre. » Ah, c'est mon nègre. Mais en créole, c'est normal de dire ça. Ah, ouais, c'est mon chum. Voilà, c'est mon gars. Ouais. Mais si tu comprends pas le contexte, ça sonne comme si elle était en train d'être raciste. Mais en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Et ça, je te l'avoue, je te le donne. C'est très compliqué. C'est pour ça que je disais à mon ami Dom, qui est ici, dans ma mail, que c'est difficile pour un blanc d'utiliser pour la simple bonne raison que le contexte fait toute la différence. À cause de ça, il est toujours à risque. Parce que si entre nous, on est des chums, puis tu le dis, puis je ris, puis c'est cool, un autre qui va l'entendre, on va dire, oh, c'est quoi cette affaire-là? Fait que c'est toujours compliqué. Fait que moi, je suggère qu'il l'utilise simplement pas. C'est ce que je suggère. Mais ça, c'est autre chose. Je crois que tu as fait beaucoup. Tu as fait beaucoup d'efforts pour avancer ta cause personnelle, pour avancer la cause peut-être humanitaire, si tu veux, dans ta perception des choses. Je suis d'accord que c'est pas compris par tous. Et que on a de la difficulté. On est tous les deux d'accord que, ouais, il y a eu des dérapages ici et là, notamment à Salvaire. Yes. Mais je crois que le fait que tu es venu ici, le fait qu'on est en train d'avoir cette conversation-là, montre de la bonne foi de ta part, de rassembler les gens, puis de communiquer correctement avec les gens, puis d'essayer d'associer les choses. Mais je crois aussi que tu es pris, comme on dit, cuir de deux chaises. Ouais, hein? C'est effectivement. Un peu comme le fait que tu es métissé, whatever, tu es le cœur des deux chaises. Ouais. Un côté, tu es attiré, on tire d'un bord, puis un côté, on tire d'un autre bord. Puis là, tu es entre les deux à figurer, bon, à quel moment je fais quoi. Et peut-être que ça, des fois, ça te met dans l'eau chaude. Oui, puis il y a aussi le fait que, qu'est-ce que je fais l'an prochain au bye-bye? Mettons qu'il y a un personnage de noir, puis qui m'appelle. Qu'est-ce que je fais? Je le fais-tu? Oui, tu le fais. Ouais. Oui, tu le fais.
Oui, tu le fais. Moi, ce que je te demanderais aussi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on devrait commencer à essayer de trouver une relève. Hein? Ouais. Il en faut d'autres. Il en faut d'autres. Puis il y en a. L'autre qui essaie de parler, Maurice, qui essaie de parler comme ça, on ne les trouve pas. C'est faux. Il y en a plein. T'sais? Puis il n'y a pas que les écoles, là, mais il y en a plein de jeunes acteurs. Il faut commencer à préparer une relève. Il nous faut un autre Norman Brathwaite. Si mais c'est tu, possible. Tu vois, ça, c'est comme dire, ça, je comprends. Là. C'est comme dire, il nous faut un autre Patrice Écuyer, il nous faut un autre René Simard, il nous faut un autre. Tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a des budgets. Puis les gens. Non, mais c'est vrai. Ils se disent, ah, il faut que ça arrive vite, on peut pas. Moi, le problème, c'est même pas juste noir ou rien de ça. Mm-hmm. Les gens ne prennent plus de chance avec mm-hmm. des greens mm-hmm. parce qu'ils se disent, ah, s'ils se plantent, on est dans la merde. On prend Normand. On prend c'est Patrice, safe. On est habitué, puis c'est ça. C'est ben, moi, la relève, j'ai hâte qu'elle arrive. Je suis fatigué en crise, là. Sérieusement, t'as pendant que t'as boute. Mais ce serait peut-être le temps que tu t'en choisis ça. Ah, ben là, tu regardes autour. Pas choisir, tu sais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui veulent, mais qui sont tellement aussi, tu sais. Tu sais, que ça soit noir, blanc, n'importe ouais. quoi, ils veulent trop. Là, tu te dis, man, il faut que. Parce que, à quelque part, quand tu es confortable financièrement mm-hmm. et dans ta carrière, tu as une façon d'animer qui est comme, je vais dire une niaiserie, puis ça passe pas. Mais les kids, ils ont tellement peur, puis ils ont tellement prouvé, je sais pas si tu sais, mais un gars-là, là, Patrick Huard a fait, d'après moi, le meilleur gars-là de la disque. Mm. J'étais assis dans la salle, c'est ma femme qui produisait, puis je dis à Marie, hostie, ma carrière est finie. Parce qu'il était tellement hot ce soir-là. Mm. Et le lendemain, il s'est fait chier dessus dans les journaux. Je ne sais pas pourquoi. Il n'en a plus jamais fait. Il a fait presque tout à ça. Quand tu demandes à un green là, de faire un gala, tu mets sa tête sur le bio. Ça, je peux parce comprendre. Que moi, le pire qu'ils peuvent dire, c'est qu'il est moins bon que. Mais eux autres, c'est fini. Oui, mais bon, je vais commencer avec un gala. Ben, t'es ben, en feu, toi. Il faut. Mais il non, faut. Il peut moi, commencer avec un petit télébum, là, par exemple. Ah, ben oui, mais là, rien. Tu sais, il pourrait commencer à jouer avec toi, déjà. On pourrait commencer ouais. de même, ben, venir là, par la main un peu. Je tiens ma job, là, on s'en va. Mais moi, les deux qui me faisaient bien rire, c'était Didier et puis... oui. Qui faisait le gala au bas. Oui. Moi, je pleurais, puis il y avait Étienne. Angelo Cadet et Didier. Puis Étienne, qui était complètement out of fuck. Moi, j'ai dit... Ça n'a pas de bon sens, j'ai jamais ri de même d'un gars-là, c'était super trash, puis Grégory s'est pas présenté, ils ouais. m'ont chié toute la soirée, c'était de bonnes gars. Ouais. Mais après ça, ils m'ont dit, on va aller à TV, je dis non, allez pas, ça marchera pas à TV, vous allez tout perdre, parce qu'il va y avoir 12 personnes dans la direction qui vont vous dire, non, non, non. Mais je dis, gardez-les, tu sais, gardez-les à vous autres, puis mettez-les sur l'Internet, c'est rendu qu'il y a plus de monde qui écoute sur l'Internet que la TV. Mm-hmm. Mais c'était nouveau, puis je trouvais ça super cool, tu sais. Mais c'est ça, mais justement, je pense que avec tous les le besoin qu'il y a de représentation culturelle de toute communauté, on va parler pour notre monde, je crois qu'il y a des jeunes acteurs qui seraient prêts à s'aventurer avec toi, peu importe, avec ton aide, avec ton mmh. appui, ouais, à n'importe quel niveau. Il y en a sur le marché en ce moment, mais ils font des rôles... c'est les mêmes stéréotypés, quoi. Tu vois ce que mais je veux dire? Moi, quand je joue un rôle, mettons, je joue moi, je joue plus un noir. Mmh. Je ne m'engage plus pour être un noir. C'est, même si c'est quelque chose qui est difficile dans ma carrière, parce que je suis tellement Normand Brathwaite que je arrive dans un film, là, on fait c'est Normand Brathwaite. Oui, alors, mais tu sais, d'un autre côté aussi, c'est qu'il faudrait commencer à s'entendre et être plus tolérant dans toutes les communautés. Mmh. Moi, Zion, on fait bel et bon, ils se sont fait crier des noms. Ils n'ont rien à voir avec moi, là. Moi, j'ai mon opinion. Mm. Ils se font crier des noms parce qu'ils viennent à mon émission. Tu devrais boycotter ça. Non, pas du tout. Ils devraient ils pas boycotter. Ils se font crier des noms? Oh, boy. Oui. Ils se font fait crier vraiment des noms. Tu devrais pas aller là. Ils n'ont rien à voir avec moi. Mm. Moi, j'ai mon opinion. Ils sont, pas... ils sont à l'émission. Puis, regarde, il faut qu'ils viennent parce qu'il faut qu'ils passent à la télévision. Puis, il faut qu'ils gagnent l'argent. Mm. C'est bon, leur musique. Puis, il faut qu'elle expande après ça. Expliquez-vous, mais tu peux pas commencer à dire, ben là, tu sais, regarde, la communauté noire,
Il y a bien du monde qui dit qu'il faut boycotter Novembre à Tweet, mais je reçois tous leurs disques parce qu'ils n'ont pas le choix. Mm. Puis moi, penses-tu que je vais dire en ondes, ben tu me boycottes, tu voulais me boycotter et tes titres, ben moi, je ne ferai pas ça, je vais faire. Et voici un merveilleux groupe. Oui, mais la vérité, c'est que le boycott a commencé après ce qui s'est passé à Savaï, c'est pas avant. Avant, les gens ne cherchaient pas de boycotter. D'ailleurs, de toute manière, on va le dire maintenant, les faits, j'ai parti ça. J'étais comme, Novembre à Tweet, on boycotte. Mais en même temps, juste avant, j'ai dit à tout le monde, je le connaissais, je disais, j'étais en négociation même de venir à ton émission. Moi-même, les gens que tu parles en ce moment, j'en fais directement partie. Puis là, j'étais comme, attends, non, il faut. Mais mon idée était de t'avoir ici. C'est exactement ça le plan. Puis, je suis très content que ça s'est rendu grâce à l'aide des gens qui sont ici. C'était, il faut que je puisse lui parler, il faut qu'il puisse expliquer sa position. Parce que je sais que ça ne va pas être personnel. C'est pas personnel, là, on est... Je t'ai rencontré. Moi, je peux le dire parce que je t'ai rencontré. Et j'ai vu dans tes yeux et je savais que ça ne pouvait pas être tout ça. Il y a dû avoir un dérapage quelque part, quelque chose s'est passé. Pour moi, c'est clair. Fait que je me suis dit, bon, il faut que je puisse m'asseoir avec, puis il faut qu'il puisse expliquer le tout. Puis comme je disais aux gens à qui j'ai parlé, l'idée, c'est qu'on puisse en parler, puis qu'il puisse sortir de cette image qui s'est mise dedans, en bonne partie, tu vois. Oui, mais en même temps, j'ai dit, tu vois, à un moment donné, il faut... aussi continuer, ouais. Je pense. Ouais. Tu dis, bon, ben, on est choqué comme dormant, on peut le boycotter deux semaines. Mais moi, je dis, écoutez, ça va vous nuire à vous si vous me boycottez, pas à moi. Parce que comme tu dis, il y en a bien des groupes, il y a bien du monde. Mais tu sais, si tu dis, je ne vais pas là, puis le fait que tu viennes à mon émission ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout ce que je dis. Moi, je suis... l'animateur de Belle et Bonne, mais je ne suis pas juste ça, je suis Normand Brantois, j'ai des opinions. Mais quand tu viens à mon émission, c'est pas une émission de débat, là. C'est clair. C'est clair. Fait que moi, s'il y a des gens qui s'empêchent de venir à mon émission, ça me fait vraiment de la peine, parce que c'est un... Hey, écoute, là, il n'y a plus de stéréopop. C'est quand même... Mais de toute façon, à partir d'aujourd'hui, le boycott est levé. C'est levé. C'est levé. Hey, c'est le boycott est levé. Mais il y a un boycott sur le vin rouge, ça, dans le chat. Mais sérieusement, je pense que là, on s'est compris. On a compris certaines choses. Je pense que les gens vont avoir compris un peu plus qu'est-ce qui s'est passé, quelle était ton intention. Ouais. Hein? Ton intention, c'était vraiment pas ça. Puis vraiment, j'étais là quand tu l'as fait, le speech... au Gala Soba. C'est pour ça que quand on me l'a expliqué, je dis ah ouais, c'est vrai, je me rappelle de ce speech-là, puis je me rappelle vraiment que c'était bon. Ouais. Fait que je suis comme, ok, ça a mis les choses un peu en perspective, mais même à la TV, les gens qui écoutent ça, qui sont de loin, ils n'ont aucune espèce d'idée. Mais le chanteur, le dramatique qui travaille avec Mosaïne, il vient me voir avant le show, il dit, moi, je suis d'accord avec toi, le mot nègre, j'aimerais ça. Mais il dit, tabarnak, t'es toujours obligé de le dire en TV. Mais c'est pas, je l'ai dit, puis après ça, ça fait boum, on passe à un autre sujet. C'est surtout ça, je pense, qui a été. Mais en télévision, c'est du genre d'affaires qui arrive très, 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 très souvent. C'est sûr. Surtout dans une émission de comédie où. Puis tu sais, même le public, ma femme avait remarqué, elle a dit, oh, calice, normal. Parce que le public a fait, ouh. Tu sais, puis là, tu te sens, tu fais, c'est normal. Mais tu sais, mais là, c'est pas le genre de show où tu peux comme, commencer à t'expliquer, non, c'est pas ça que je veux dire. Tu dis, bon, attends une minute, attends, non, c'est pas ça. Non, là, lui, il sort une ballonne, ben, je mets pas une ballonne sur la tête, pas de pitch, tu sais. Donc, ça part. Puis je suis vraiment désolé, ça a blessé des gens, vraiment. Je suis désolé, c'est pas. Les gens qui me connaissent, savent que c'est tellement pas mon but dans la vie là, de faire ça. Mais puis c'est ça. Comme disait Ronald King, c'est pas Ronald King, le gars qui s'est fait battre. Let's get all. Can we all get along? Après avoir mangé une volée. Moi, personnellement, si vous me crissez une volée, je dirais pas. Je vais appeler la police. Je suis d'accord. Fait qu'à partir de maintenant, on fait quoi? C'est quoi le ton plan, ton idée, toi, pour le futur? Du futur de... Bon, ton futur à toi, j'imagine, tu as un beau plan pour ça, mais le futur de l'union des communautés, si tu veux. Ben, il faudrait commencer, c'est un cliché, mais commencer à se parler, puis de dire, OK, quand on fait quelque chose, puis ça implique un noir, on va prendre un noir parce que c'est trop compliqué. Il y a des gens, j'ai parlé à des Blancs, des Caucasiens, qui sont très choqués de dire « Tabarnak, ils nous forcent. » Puis là, j'ai dit, c'est parce que, veux pas, les amis,
ça va être plus simple. Ça va juste être plus simple. Ça va être plus simple. Tu sais pourquoi que... Moi, comme je te dis, moi, je suis prête à jouer des noirs pour les prochains 15 bye-bye. Si ça peut juste régler le problème, puis ça peut juste être une soirée où tout le monde écoute la télévision et tout le monde a du fun. Mm. Je suis prête à le faire gratis. De toute façon, au prix qu'ils m'ont payé, c'est un petit peu gratis. Normal. Ça m'a fait plaisir. Ça fait un bout que t'es là. Ouais. Je te remercie beaucoup. À chaque fois que je vais avoir une chicane, je vais revenir parler de ça avec toi. Hey, man. Sauf que... Vin rouge. Je suis désolé. Ça finit de même. Je suis désolé.